Mais elle est où ma vie là-dedans? Qu'est-ce que j'y gagne moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Je m'en tape! Tu comprends ça? Je m'en tape! Béton. Quelque chose de propre. Ah, je vous jure. Hop là. Le dimanche. Tout ça, alors. Eh ben. Allez, pâti moi dis où? Pâti moi dis où? Allez, pâti, dégage, bon sang, mais dégage! Oust!
Il tord de vous. Allez, mon grand. Il n'y a plus qu'aux îles que les hommes dorment sur les coins de table. Mmh. C'est Catherine, une bretonne comme toi. Elle a bien du courage, celle-là aussi. Toujours un petit mot gentil quand on se croise. Élever toute seule, c'est pas facile. Appelle ton père. Autant tu n'es pas aussi fort. Décollage pour mon petit homme. Tiens-toi bien au moins. Regarde à mon âge. Fais un effort, sinon dans 10 ans, hein. Je sais, maman, je sais. Alors fais-le, puisque tu le sais. Non. Il va faire les courses et des conquêtes. Tu n'aimerais pas te remarier? Et qui se prend ce matin? T'es vraiment chiante. Ne parle pas comme ça ta mère, tu m'entends? Victor, en revenant du marché, passe les Jolivets. Ils ont une porte pour nous. Quoi? Tu vas pas te mettre à changer la porte maintenant? Si. Écoute, arrête tes travaux, celles-ci sont très bien. Ne discute pas, puisque je te dis qu'ils ont trouvé une vraie porte pour nous. Une ancienne. J'ai demandé à Ricky de m'aider. Laisse Ricky se reposer. Tu peux bien rendre ce service à ta mère sans l'embêter.
Elles sont lourdes, là. C'est ce qu'elles portent. Mais justement, ça prouve leur qualité. Celles qui nous ont mises ici sont creuses. Ce ne sont pas des portes faites pour des gens qui se respectent. Écoute, maman, j'ai plus 20 ans, moi, et Ricky... Ah, laisse Ricky, espèce de feignant. Mais quel exemple tu lui donnes? Tu peux bien apporter une porte à ta mère, si tu le veux vraiment. Écoute, maman, ce matin, t'es vraiment... T'es vraiment crispant. Puis quoi, avec ces... Et ne traîne pas. Victor, ça me fait tellement plaisir. Qu'est-ce qui te plairait pour ce soir, hein? Du riz avec des oignons. Oh, tu vas pas en manger tous les jours du riz avec des oignons. Et si ça me chante à moi de manger tous les jours du riz avec des oignons. Du riz, des patates, du rhum, des tomates en boîte. Je sais. Et puis si tu par hasard tu trouves. Mais je suis parti. Où est-ce que j'ai mis mes petits piments? Viens, ma cocotte. Écris par ma Brigitte. Tu es bien là. 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 Non, reste là. Qu'en fais pas que des autres qui m'en maillent, hein? Mais là, tu t'as qu'un. Bon. Et il doit se faire tout ça à pied. Oh, et puis j'ai assez trimé. Il est fragile malgré son aspect. Brigitte, il m'a fait otite sur otite, jusqu'à la paracentèse. Du coup, il s'accrochait à mes jupes. Il aurait été du souci. Avec le travail en plus. J'ai toujours aimé les hommes costauds. Il était si beau. Il aurait pu être barbeau. Hein. Ça, il aimait la chose. Moi aussi. Mais que veux-tu, les hommes sont durs à retenir. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça aurait dû lui suffire, mais c'était plus fort. L'épouse en 48. Le quitte en 49. Il avait trahi ma confiance. Ensuite, il est parti en Indochine. Monsieur, je fais le coq. Il est revenu mort. En morceaux, comme découpé. Il avait su se tenir tranquille. Tous ceux qui disaient qu'il fallait y aller et qui sont restés ici. Notre petit Victor, je l'ai eu seul. Allez, va-t'en.
Qu'est-ce qui me fume? Allez, debout, Ricky. Ricky! Richard, surveille ton langage avec moi, tu entends? Allez, debout, il est presque midi. C'est pas la peine de crier. J'ai déjà expliqué à ton père. Allez, debout. Oh, mais ça pue dans ta chambre. Oh. Allez, dégage de là, Brigitte. Tu vas te salir. Dépêche-toi, je t'ai trouvé du travail. Très drôle. Chose pour faire sa vie, hein? C'est la triste vérité. T'inquiète pas, mémé, t'inquiète pas. Mmh. Dans un monde beau, une belle bande, une belle bikini, une belle danse comme ça, faut y mettre du cœur, hein? Faut écouter l'autre. Je sais, mémé, je sais. Mmh. Mmh. Mais c'est pas bien de danser seul. T'entends? Tu n'es pas en train de prendre un coup de vieux, toi, par hasard? C'est pas lui qui va prendre un coup quelque part, hein, si tu continues à me parler sur ce ton. Non, regarde-toi, tu t'y es plus en place. Ouais, mais ça me rend imbattable pour plein de choses. Profite-en pour trouver du boulot, hein. Parce que moi aussi, ça me laissera du temps pour danser. Tu as commencé à travailler si jeune que tu ne te rends même plus compte. Oh. Regarde ces mains, ce sont des mains de pianiste. Oh. Mmh. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Regarde, les tiennes, elles sont toutes usées. Oh. Hein, c'est dur le travail, mais c'est dur le travail. Je t'interdis de faire du mal à Brigitte. Oh. Tu brûleras en enfer, hein. Et si encore le diable veut bien de toi. Et sûrement, mais bien sûr. Hein? Tu ressembles à ton père. Mon plus jeune. C'est un compliment? Richard, ne parle pas comme ça. Tu verras quand tu seras plus vieux. Impossible. Imbécile, tu veux nous porter la poisse? Regarde comme tu es beau. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. C'est parce que je tiens de toi, ça m'aimait. Tu viendras chez Maria tout à l'heure. Pourquoi? Elle prépare un petit quelque chose pour la fête des mères. Sa santé va mieux, elle veut marquer le coup. Ah,
oublié, ma mère. Ah, Richard, lève-moi ça de là. Je ne veux rien, tu as compris. Je déteste cette fête. Et je n'ai besoin de rien. Pas la peine de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Puis si tu viens, ça suffit. Bah, bonne fête quand même. Et ne traîne pas trop loin, hein. Oh, mémé. Sûr, bien sûr. Ça te plaît, ce type de Maria? Tu n'as que l'embarras du choix, hein. Cherche un job comme esclave. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Tu devrais t'excuser d'avoir de telles pensées. Avec toi, je devrais m'excuser dès que j'ouvre un œil. Je ne sais pas à quoi tu rêves. Et je préfère ne pas y savoir. C'est parce que je suis jeune, mémé. Ça. Pardonne-moi, je viens de naître. Excusez-moi. Au fait, pour papa. Quoi, ton père? Bah, tu lui as dit pour la fête chez Maria? Pour lui, le temps qu'il revienne des courses. Richard, tu pourrais m'embrasser? Cadeau pour la fête des mères. Je veux rien, moi. Déjà l'année dernière, j'ai rien eu. Ça m'a bien été, très bien été. Pourquoi mes enfants se fatigueraient-ils à offrir un cadeau à une vieille peau comme moi? En Angleterre? L'Islande? La Martinique. La Martinique. Mascate. Ah, Madagascar. Bornéo. Oh, je suis perdue, là. Je demanderai à Victor qu'il me remonte. Là, toi. Allez, viens. Allez, 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 va. Oh. Une réunion de jeunes, ça ressemble vraiment à une réunion de voyous. Mon Dieu, comme ils changent. Et celui-ci, il a presque doublé de taille. Il passe presque plus jamais à la maison. Tant mieux. Ils sont devenus vraiment beaux. Si je trichais pas un peu, je les verrais même pas grandir.
Brigitte, ça suffit. Ça suffit, tu m'entends? Mon cas est fait, mais on l'a droit. Vincent applaudit Elsa. Ah ben c'est très bien. Bon sang. Il faut s'en donner de la peine pour que les choses tiennent entre elles. Si Maria a perdu la santé, c'est bien à cause de son mari et pas à cause du salon de coiffure qui a brûlé. Pour ce qu'il avait comme client. Avec l'argent des assurances, il ira boire et jouer aux courses. Quant à son fils Antoine, ce n'est pas une réussite non plus. Les seringues dans la chambre de Ricky. Je sais qu'il y a quelque chose. On arrête là. On va s'arrêter là. Dégonflé. C'est sûr, c'est définitif. Antoine, viens pour une surprise. Bonjour madame. C'est rien, c'est mon petit coup de vieux. Vous tournez avec Vincent Audot, vous allez donc vous partager les 2000 francs. Vous auriez pu continuer plus loin, mais vous avez aussi droit, grâce à Larousse, qui s'associe toujours au spécial jeu. Antoine, j'étais justement en train de penser à toi. Alors, petit bonhomme, comment ça caille, Josia? Toute bagaille, comment ça caille? Dis-moi. Arrête de lui parler en créole, mais en France ici. Comme si je le savais pas. Alors, dis-moi, comment vas-tu? Bien, merci à vous. Ça va, ça va. Tu seras à la fête aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors raconte-moi, ta maman, comment ça va? Son cœur, est-ce qu'il va vraiment bien? Bah oui, ça remet doucement quoi. Les médecins ont dit qu'elle devrait bientôt avoir totalement récupéré. Ah, brave Maria. Ta maman est jeune. À son âge, on récupère très vite, tant mieux. Et ton père, il va bientôt pouvoir ouvrir son salon de coiffure? Non, non, les assurances refusent de payer. Oh. Elles disent qu'il y a trop d'émeutes dans le quartier alors. Enfin, en attendant, mon père a fait une demande pour pouvoir s'installer dans le hall de la synagogue. Le pauvre, il y est pourtant pour rien. Enfin, il faut se mettre à la place des assureurs. Bah, moi, j'essaye déjà de me mettre à celle de mes parents, et c'est pas facile. Mais ça se fait, ça, de couper les cheveux dans une synagogue? On sait pas encore, on attend la réponse. Et tes sœurs? Ah, vont bien, merci. Elles sont très différentes, toutes les deux.
Et très jolie aussi, je me demandais. Et au fait, tu as trouvé du travail? Non, je cherche, mais pas encore. Mais bon, ça va, je vais bien. Alors, mais si, malgré tout ça, tout va bien, c'est que tout le monde va bien. C'est ça, madame. Qui est morose en ce moment? Je me demande si tu arriveras à lui remonter le moral. Mais qu'est-ce que tu racontes, mémé? Avant de vous enfermer, donnez-moi un petit coup de main. J'ai une planche qui se casse, là. Bah oui, bien sûr. Merci, mon petit gars. Je t'en prie, mémé, on fera ça plus tard. Les outils sont là. Merci les enfants. Vicky, si ton ami veut un petit verre de rhum pour sa pelle. Non, c'est bon, il boit pas en plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tu viens, toi, allez. Pas de musique aujourd'hui. Il y a trop de voisins et puis les gens se reposent. Tu plaisantes, là? Non. Ça fait une heure qu'on fait un boucan pas possible. Eh ben justement, ça suffit. J'ai juste un enregistrement à lui faire écouter, on va pas faire de bruit. Pas de bruit ici le dimanche, j'ai dit. Puisque je suis en train de te dire qu'on va pas faire de bruit. Pas de ça aujourd'hui. Pourquoi tu t'obstines à pas voir de télé, ça t'occuperait? Pourquoi faire? Tu vas aller danser? Ton idiot de grand-père disait la même chose en signant son engagement. Je ne me souviens que de ma vie sans grande péripétie. Enfant, adulte, vieille, avec de temps à autre de petits spectres lumineux. Tu me méprises, tu te moques de moi. Tu es comme tous les hommes du monde entier, attiré par le clinquant et la vie facile. Tu finiras par manger dans la main de celui que tu engraisseras. En récompense, tu auras Mandrake le magicien qui descend du mur lorsque tu ouvres le frigo pour te servir un jus d'orange. Il fabrique tes espoirs et tes rêves ressemblent aux pochettes de disques que tu voulais enregistrer. Je pensais que tu serais plus fort et tu prendrais le relais. En fait, tu n'arrives même pas à cacher correctement tes saloperies de sereine. Mais tout le monde a la télévision depuis toujours et rêve d'y passer. Alors accepte les choses comme elles sont, merde. Eh bien, ta grand-mère ne rêve pas comme tout le monde. Tu devrais en être fière. Tu feras tout ce que tu voudras quand tu seras chez toi. Pas de télé, pas de musique et pas encore plein d'autres choses ici. J'ai dit. Je me casse. C'est ça, tire la chasse. Mais tu vieillis, ma vieille. Tu t'enquilloses dans cette cuisine. Ah, voilà, qu'on te fasse voyager, hein. Allez. Allez, vas-y. Là. Oh là là, mais vraiment, hein. Tu sais. Sans le passé, nous m'a levé. Sans le passé.
qu'ils aillent se faire voir. Le père était pareil. Le fils et le petit-fils ne veulent pas mieux. Quelle belle porte! Ce sont vraiment des gens gentils, les Jolivet. Il faudra leur offrir un petit quelque chose pour les remercier. Ils t'ont donné la clé, au moins. Oh, je t'en prie! Mais c'est pas l'heure de se coucher! Mais tu sais bien que ça m'énerve de te... La ferme, tu l'as, ta porte. On pourrait croire, comme par hasard, que ça t'a tué de me faire des courses. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à monter.
que j'ai pu lui faire au bon Dieu. La fête des mères chez Maria, c'est foutu. Faudrait tout de même changer la serrure, hein, on ne sait jamais. Moi non plus, j'ai pas une minute à perdre. La planche qui s'est dévissée. La cuisine à nettoyer à cause de Brigitte. Et Vicky qui veut passer à la télé. Vois-tu, Victor, parfois le dimanche, on cherche le Seigneur. Brigitte! Ah, tu essaies de me doubler, hein? On va voir qui a le dernier mot. Allez. Sors de là que je te tue! Ou j'appelle Victor! Faudrait que j'en cherche une deuxième. Elle s'amuse avec moi toute seule. Tu installeras la porte, hein, le week-end prochain. Antoine, ça a l'air tout compromis pour chez toi. Putain, j'en ai plein le cul, tout ça. Mais je t'interdis de parler ainsi du père d'Antoine. Mais qu'est-ce qu'il prend, toi, Ricky? Mais rien, bien sûr, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Alors parle correctement, s'il te plaît. Mais sors d'ici un peu, tu vois pas que... Regarde-toi, là. Hein, tu bouges jamais. Tu vois pas que c'est un pays de merde, d'hypocrite et de frime? Regarde ça, là. Tout le monde bouffe tout le monde jusqu'au bout en fermant sa gueule. Y'a pas un qui bronche. Ils font bouffer notre propre merde, nos cadavres.
comme ces putains de vaches. En plus, ils arrivent à nous faire croire qu'il y a un meilleur. Mais qu'est-ce que j'en ai à en foutre, moi? Tu rentres ici en claquant la porte, tu sors en hurlant. Est-ce que c'est moi qui vais changer le monde, peut-être? Mais elle est où, ma vie, là-dedans? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Je m'en tape! Tu comprends ça? Je m'en tape! Bande de bâtards, hein. Tuer. Ricky! Mais qu'est-ce qu'il me pense, mon mari? Rien. Enfin, je sais pas au juste. Regardez mes parents. On est tous un peu comme lui. Il est comme vous, vous êtes tous comme ça. C'est ça ta réponse, n'est-ce pas? Tu appelles ça une réponse? Ah, tout n'est pas parfait, bien sûr, mais le pays n'est pas si mauvais. C'est pas génial. T'occupe pas de la vie de tes parents, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Mais vous, les jeunes, vous ne devriez pas vous conduire ainsi. Comment il faudrait qu'on se conduise, alors? Comme Victor. Il a l'habitude de dire que la vie lui est tombée dessus comme le baptême, et il a raison. Ensuite, t'es pas obligé de croire en Dieu. Tu me sais. Tu penses que pour vivre sa vie, il faut avoir des couilles. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir des ailes. Et la seule chose, c'est de ne pas se laisser rogner. Voilà. Tu vas rester manger avec nous, hein? Non, madame, j'ai pas le temps. Oh, Antoine, t'occupe pas de la vie de tes parents. Vis la tienne. Je m'en occupe pas. Je m'en fous, même. Antoine, t'es devenu un beau jeune homme. Et moi, je vais. Regarde la porte. Elle sera pas facile à monter. Sûr, c'est du gros boulot. Je suis vieille, mais pas si vieille que ça. Il y a beaucoup de choses que je sais faire toute seule. Reste manger avec nous. Je voudrais pas que Ricky reste tout seul. Non, vraiment, madame, je suis désolé, mais il faut que je parte. Bien sûr, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas trop pour Richard. Oui. Si vous avez besoin d'un coup de main pour la porte, bah, je viendrai vous aider. Tu vas rester longtemps comme ça, dormir comme un idiot sous ta table? Tiens-toi! C'est parce que j'ai trop bu, maman. 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 J'ai trop bu. Richard! Richard, je t'en supplie, viens vite! Vous êtes venu.
Voici à nouveau couverte de fleurs. Oh, attends, Louise. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Personne n'est vraiment chez soi. Et je me sens... Vous vous souvenez du balnais de la rue Lantier? Je me souviens aussi... Si frêle. Votre jeune frère. Fort. S'approcher à vous jusqu'à l'aube. Victor. C'est si bien. Ah, voilà. C'est ça. Si bien. Victor. Victor, vous en occupiez si bien. Victor est mon fils. Mais vous l'aviez présenté comme votre jeune frère. Il faudrait que Victor me pardonne maintenant. Je rêvais d'être comme Joséphine Baker. Et je continue à penser que j'aurais pu, si je ne l'avais pas eu. Vous me direz que j'en ai fait de bien belle. Mais j'étais si jeune encore. Je me sens comme si j'avais 20 ans. Vous devez changer des choses ici. Vous devez que je change encore des choses ici. Vous m'aideriez, vous m'aideriez. Bien sûr, bien sûr. C'est vous qui me donnez toutes ces idées. Vous êtes légère comme un papillon. Tu comprendrais pas. Richard, tiens-toi bien. Il y a l'empereur d'Éthiopie qui est venu me voir. Il m'attend dans la cuisine. C'est super, ma mère. C'est super. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Nous sommes des oiseaux. Tout pingouin, l'autre jour moins contre choukoun, les souris, les liouais moi dit à ciel la belle moune, il dit où tout va s'acheter, il dit où tout va s'acheter. Tis oiseaux, l'emboi qui cap écouter. Tis oiseaux, l'emboi qui capelle tendé. Les moins songer ça, en gagner la peine. Qu'à des pigeons ça, des pieds moins l'enchaîne. Moi songer ça, moi gagner la peine. Des pieds moins l'enchaîne. Marabout, y gagne tête du bout, zieli éclairé con chandelle, aïe si choukoun te fidèle, zieli éclairé con chandelle, aïe si choukoun te fidèle. Tis oiseaux, l'embois qui cap écouter. Tis oiseaux, l'embois qui capelle tendé. Les moins songer ça, moins grogner la peine. Qu'à des pigeons ça, des pieds moins l'enchaîne. Moins songer ça, moins grogner la peine.
dans tout petit bois Haïti. Zozio ka chante pou li. Dis oiseau, l'amboua ki kap ekoute. Dis oiseau, l'amboua ki kap el tande. Mensonge sa, moi gonye la peine. Ka des pijoux sa, des pieds moi l'enchaîne. Moi songer ça, moi gagner la peine des pieds. Moi...